Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis venu en voisin bordelais, là, cette fois-ci, j'étais pas très loin. En fait, c'est vrai que moi, je suis au départ un endocrinologue. Je m'intéresse au rôle des hormones dans l'adaptation des animaux à leur environnement. J'ai fait mes tests sur le cerveau et sur la glande thyroïde, et puis, toujours fait ça. Et en 2000, le monde bascule. Comment une vie de chercheur peut basculer? Je lis un papier dans la revue Science, écrite par Steve Palombi. Palombi, c'est un océanographe de UCLA, en Californie. Et Steve Palombi dit « La plus puissante force de changement et d'évolution sur la Terre, c'est la présence de l'humain. » Je dis « Qu'est-ce qu'il raconte, là ?» J'avais passé ma vie, moi, à travailler sur l'influence de la longueur du jour, de la température, de l'air et de l'eau de mer, le sel de l'océan. Et là, il va me raconter que c'est l'humain. Alors, quand on parle de l'humain, n'oubliez jamais une chose, l'humain n'est jamais tout seul. Vous verrez les graphes, l'humain est accompagné par ses plantes d'intérêt agronomique et par ses espèces animales d'élevage. La plus grosse biomasse sur la Terre, c'est le poulet aujourd'hui. Et vous allez voir, on assiste à un effondrement du sauvage avec une accélération inouïe et une explosion du domestique. Beaucoup trop de chiens, de chats, de lapins, de moutons, de canards. Alors évidemment qu'il en faut un petit peu. Mon discours sera très clair aussi, je ne suis pas vegan. Il faut manger beaucoup moins de viande que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est absolument fondamental pour le bien-être de l'humain et pour le climat également. Donc tout ça m'a amené à lire beaucoup, et puis je suis comme ça, moi je ne dors pas. Bon, depuis que j'ai 30 ans, je dors 4 heures par nuit maximum. Et puis bah, je lis beaucoup, et puis je travaille le matin entre 3h et 7h, et puis j'écris, et j'ai des articles, je prépare mes conférences. Et puis ça a amené en fait des gens à s'intéresser à ceci. Donc je bascule en 2000-2001 et je me dis, bah, j'arrête mes hormones là. Et des petits jeunes de 30 ans qui vont être largement aussi bons que moi pour travailler là-dessus, en sens fondamental. Et je passe à ces questions de biodiversité. C'est quoi la biodiversité? On va en parler. Donc du coup, je commence à écrire, à faire des conférences. Ça va amener le Collège de France à m'appeler justement sur une chaire, donc développement durable et société. J'aimais beaucoup le mot société. Je me sens très proche de vous. Il n'y aura aucun progrès sans l'usage intelligent et sans ce bien-être social. Et c'est là aussi qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous. Vous baignez dans un monde bien différent du mien il y a 30 ou 40 ans. Hein, les fake news nous ont envahis. Et je crois que le rôle de vos enseignants aujourd'hui, c'est largement autant vous donner des connaissances, ça c'est bien, que de développer chez vous un esprit critique. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous écoutez? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est sérieux? Qui est-ce qui est stupide? La Terre est plate, ça revient. Il n'y a pas de changement climatique. Si on a un, l'homme n'y est pour rien. C'est plus dangereux de se faire vacciner que d'être soumis aux maladies infectieuses. Il y a plein d'exemples comme ça qui sortent partout. Alors pour des enfants, ce n'est pas simple. Et pour des ados ou des adultes comme vous, ce n'est pas simple du tout non plus. Donc comment est-ce qu'on arrive à développer tout ça? Connaissance et esprit critique. Donc l'enseignement est extrêmement important, bien sûr. Et puis, ben, mes pérégrinations m'amènent à venir au Muséum National d'Histoire Naturelle, le Grand Jardin des Plantes. J'avais 7-8 ans, élevé à la pointe bretonne, et ma tante m'emmenait voir la ménagerie, j'allais voir les dinosaures dans la galerie, j'étais fasciné. Ça m'avait dit à l'époque qu'un jour je serais le président de cette vénérable maison. J'aurais jamais cru ça, bien sûr. C'est les surprises de la vie. Hein. Le muséum, c'est 2400 personnes. Mais 20 000 personnes qui tous les jours appellent. J'ai ramassé mon premier pruneau à Agen, hein, j'ai vu la première hirondelle à tel endroit, j'ai vu un poisson lune ici, tiens, j'ai vu tel aigle de Bonelli dans tel endroit. Et on a comme ça un tissu, et je vous en parlerai, de science participative. C'est très puissant. On a publié un papier en 2012, 10 000 personnes ont participé, toute l'Europe de l'Ouest, 1,5 million d'heures d'observation. Quel laboratoire peut se payer ça? Et qu'est-ce qu'on montre? Et bien on montre qu'en 18 ans, nos oiseaux ils sont montés de 33 km vers le nord et nos papillons de 114. Un degré de plus, ils devront faire 250 km vers le nord. En 18 ans. Donc, je vous parle de centaines de millions d'années et là on parle de 18 ans, c'est hier. Vous montrez que vous vivez dans un monde incroyablement en accélération. Et ça, ce sont des considérations que les scientifiques, bien sûr, rappellent en permanence. Donc le Collège de France, c'est une très jolie expérience, parce qu'on enseigne à tous. Tout le monde peut dire au Collège de France, même les Gilets jaunes, ils peuvent venir écouter les leçons du Collège de France, je ne sais pas s'ils viennent souvent, mais en tout cas, c'est ouvert à tous, et on raconte des histoires.
Et c'est un peu le rôle de la science, et le mien, c'est qu'on parle de choses vraiment, finalement, qui vraiment moches. Hein. Une météorite, c'est moche comme tout, une météorite. Mais le moment où vous l'étudiez scientifiquement, avec de la vraie science, et que vous racontez grâce à des isotopes du chrome, par exemple, qu'elle a 4,6 milliards d'années, elle a l'âge de la Terre, elle a l'âge du Soleil. Et là, vous racontez une histoire. Et là, vous émerveillez. Ça, c'est vraiment le rôle du scientifique. C'est extrêmement important aujourd'hui. Et à la frontière des sciences, moi, j'aime pas dire dures, mais les sciences de la nature et des sciences humaines et sociales, on a la clé de la compréhension, du respect, du partage, de la connivence, et bien sûr aussi de la démonstration, et puis de l'interprétation de ce qu'on fait aujourd'hui, avec les trois questions essentielles qui n'ont pas changé. Qui sommes-nous, nous les humains? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Vous voyez qu'il faut tous les types de disciplines pour répondre à des questions comme ça. C'est un peu la trilogie du Musée de l'Homme à Paris, au Trocadéro. Donc je reste effectivement 10 ans dans cette grande maison. Après, je ferai 2 ans au cabinet ministériel pour voir. Bon, j'aurais pas passé ma vie à faire ça. On m'avait dit, tu vas tenir 12 mois, j'ai tenu 23 mois. J'étais assez fier de moi, finalement. Je voulais réussir les COP 21 et 22. COP 21, 20 COP jusque-là, jamais parlé d'océan. L'océan est le principal régulateur du climat. On va oublier. Pourquoi? Parce que bah, dans l'océan, il n'y a personne qui vote et personne qui est élu. Tout le monde s'en fout d'océan. Il va voir dans quel état il est. C'est la clé du système, l'océan. Deuxième but, le vivant, la biodiversité. Si le mot biodiversité vous embête, très simple, vous mettez vivant. C'est la même chose. Le vivant. On va le définir un petit peu plus tout à l'heure. Donc, on avait l'océan, le vivant. C'est lui le révélateur du climat qui change. Qu'est-ce qu'on s'en fout que le climat change sur la Terre s'il n'y a pas la vie sur la Terre? Et dans la vie, il y a les humains, bien sûr, hein, avec les activités économiques de l'humain. Et troisième thème, c'était les femmes. Regardez comment on parle des femmes aujourd'hui, comment on travaille avec les femmes, c'est une véritable catastrophe. Et c'est vrai qu'on est dans un système où elles sont complètement oubliées. J'ai travaillé avec les femmes africaines en 2015, beaucoup, où elles avaient des interprétations du changement climatique et de l'effondrement du vivant que n'avaient pas les garçons. Elles avaient des résolutions possibles, mais on ne les écoute pas. Juste deux chiffres désastreux. Dans l'extrême pauvreté aujourd'hui des humains, 2/3 sont des femmes. Alors que vous êtes les filles ici, 52% à peu près des humains sur la Terre. Les 2/3 des pauvres, des extrêmement pauvres. Dans les grandes catastrophes naturelles, un volcan qui crache, un tsunami, 2/3 des victimes sont des femmes. Alors ça, c'est pas normal du tout. Et ça, que vous touchez, c'est de l'écologie pure pour moi, ça ceci, bien sûr. Hein. Comment cette espèce qui est Homo sapiens, l'homme qui sait, est arrivé à une situation où un de ces genres n'est absolument pas respecté. Et j'écoutais encore, j'étais au rassemblement des marcheurs de la République là, avant-hier, samedi après-midi, et on a eu un débat sur les femmes, justement. C'est toujours aussi effroyable, en fait. Comment on les traite, comment on les écoute, comment elles participent. Donc tout ça, c'est dans un système global organisé, depuis assez longtemps, on peut parler un peu d'histoire aussi à ce niveau-là. Hein. Donc comment est-ce qu'on remet de l'harmonie? C'est un peu le thème de ma conférence de ce matin avec vous. Comment nous remettons de l'harmonie dans la relation entre l'humain, d'abord entre les humains entre eux, on a dit les garçons et les filles, et aussi, bien sûr, surtout entre les humains et les non-humains. Et c'est ce qu'on va voir. Alors je commence par deux écosystèmes. On peut éteindre devant la scène ou c'est pas possible? Parce que là, c'était plus joli les images, juste les lampes du milieu là. Moi je vous ai mis deux écosystèmes français. La Guyane, ici. Nous sommes au camp des Mourac du CNRS. 50 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Je prends un carré de 1 km, on peut trouver 50 000 espèces dessus. Et je vous ai mis l'équivalent marin, un morceau de récif corallien. On est ici, en Nouvelle-Calédonie, ils ont voté français il n'y a pas très longtemps. Et là, vous avez 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. Donc voici deux écosystèmes incroyablement riches en nombre d'espèces ramenées à la superficie. Le corail, c'est moins de 1% de la surface de la Terre. Et c'est plus de 30% de la mer. Et c'est plus de 30% des espèces connues dans l'océan. L'importance du corail. Les forêts tropicales, trois grands bassins. Le bassin du Congo en Afrique. L'Amazonie, ici, en Amérique du Sud. Et en Asie, les deux grandes îles que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'un côté, Bornéo de l'autre. Dans ces trois endroits-là, vous avez plus de la moitié de toutes les espèces connues sur la Terre. Vous imaginez l'importance
de ces forêts tropicales humides, elles partent aujourd'hui à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. Ce qui se passe en ce moment en Amazonie, mais dans les forêts du Congo aussi, on détruit, on brûle, on enlève, on exploite. On remplace les arbres par d'autres d'intérêt économique plus immédiat. C'est tout ça qui est extrêmement important. Il faut qu'on y réfléchisse. Et le corail s'en va. 2 degrés de plus, on perdra le corail. Et ça sera trop chaud. Donc vous voyez qu'on a des défis qui sont considérables. Et je vais commencer mon exposé en vous démontrant que nous ne sommes pas à côté de la nature. On est dedans, jusqu'au cou, jusqu'au fond des tripes. Et je vais vous le montrer. Alors voilà ce qu'a fait l'humain de la biodiversité et du monde. Shanghai, la moitié des Français. 35 millions d'habitants, ben voilà, vous avez une grande ville. Alors, évidemment, quand vous voyez les forêts d'Amazonie ou bien les récifs de corail, de Calédonie, une grande ville comme Shanghai, on a détruit, on a pollué, on a enlevé. Ouais, c'est plus joli comme ça. Alors maintenant, pourquoi est-on intranquille finalement? Pour deux raisons. Je vous ai mis en haut la température depuis un siècle. Alors, j'ai regardé ici à Bordeaux, là où est cet amphithéâtre maintenant. Hein. On a donc détruit une nature qui était là avant. Hein. Il reste encore un peu d'herbe ici à côté, mais n'oubliez jamais une chose, on parle sans arrêt de résilience. Sans arrêt, la résilience. Mais n'oubliez jamais une chose, vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Et ça, on oublie complètement ça. C'est fondamental. Donc ne détruisez pas, gardez des petits morceaux qui peuvent repartir. Là, l'amphi ne repartira pas. Hein. Oh, il y a des trucs ici, il y a des acariens dans le coin, là, et des araignées dans le coin là-bas. Il y a bien une souris ou deux par là. Toutes les bestioles qui sont dans nos cheveux ou dans nos tripes, hein, mais bon, ça ne peut pas revenir à un système antérieur. Donc c'est vrai que le climat change. 1,2 degré à peu près depuis 1860 gagné sur la surface de l'océan et dans l'air. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Sur 120 ans, c'est beaucoup. Et en bas, c'est tout près d'ici, ça c'est la remontée du niveau de la mer. La mer a beaucoup monté. On va revenir, il y a deux chiffres aussi que je veux que vous notiez qui sont importants. Je vous ramène ici dans l'amphi de Bordeaux-Montaigne, il y a 19 000 ans. Il y a 19 000 ans, on est à la fin de la dernière grande glaciation. La température est 4 degrés plus basse dans l'air et dans l'eau de mer à Arcachon. Et vous savez où est la mer? 125 mètres plus basse. On allait à pied en Angleterre. Ils sont passés de l'Asie à l'Amérique. Ils sont passés de l'Inde à l'Australie. Donc l'humain a toujours bougé en relation avec des changements climatiques. Chaque fois que l'Arabie reverdit, chaque fois que le Sahara n'est plus un désert, on passe de l'Afrique à l'Europe ou à l'Asie. Donc ces questions climatiques sont essentielles. Le climat a toujours changé, heureusement. La Terre est beaucoup plus belle parce que le climat a changé tout le temps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il change beaucoup trop vite. Puisque ça, la côte que je vous montre ici, c'est sur 18 ans. Ça faisait 5000 ans que la mer ne remontait pratiquement plus. 1 mm par an. Et là, en 18 ans, c'est 3,4 mm, plus de 3 fois plus, et ça va s'accélérer en permanence. Dans 15 jours, on va vivre un événement terrible. Le 27 septembre, on sort le rapport du GIEC dédié à l'océan et à la cryosphère. La cryosphère, c'est toute l'eau glacée, hein, les montagnes, les banquises. C'est pas très réjouissant. On va encore dire que les scientifiques sont des emmerdeurs, des empêcheurs de tourner en rond, qui veulent inquiéter les gens. Prenons le problème à bras le corps. Je ne suis pas du tout un catastrophiste, c'est pas du tout dans ma nature. On m'appelle toujours l'écologue optimiste. Tant mieux, c'est bien. Mais n'empêche que vous allez voir qu'il faut qu'on se retrousse les manches si on veut modifier la situation. Ah voilà, mon chouchou, peut-être grenouille, comme ça. Darwin part avec son beagle et il fait le tour de la Patagonie, de l'Amérique du Sud. Il trouve une grenouille dans les forêts primaires d'Araucaria, des arbres qui vivent entre 1000 ans et 3500 ans. Il la met dans un bocal, à l'époque on faisait comme ça, on ramenait des bestioles, puis ça part à Londres, puis on l'oublie. Dans un couloir du musée de Londres pendant 100 ans, elle l'oublie. Puis un type qui la trouve récemment, il dit, mais c'est une grenouille, c'est Darwin qui l'a trouvée, on ne la connaît pas encore, on va lui donner un nom. Donc on l'appelle Rhinoderma darwini, la grenouille de Darwin. Tout le monde s'en fout de ma grenouille de Darwin. Hein. Vous allez me dire, de toute façon, je ne savais même pas ce matin qu'elle existait. Bon. Maintenant, vous savez que ça existe. Et qu'est-ce qui se passe avec cette bestiole? Ben, elle ne supporte pas qu'on enlève les araucaria et les grands lencas, les arbres de Patagonie, qu'on remplace par des eucalyptus d'Australie et par des pins. Ben, elle n'aime pas ça. Donc, elle va partir.
Là, j'ai trouvé les dernières, au mois de janvier dernier, en cherchant quelques grenouilles de Darwin. Et l'autre symbole, j'ai fait la photo, comme disait tout à l'heure Frédéric, ça, j'ai fait ça il y a 15 jours, c'est le Groenland qui est en train de fondre. Donc sur la baie de Ilanoussac, c'est le plus gros lieu de formation d'iceberg hein, dans l'hémisphère nord, après l'Antarctique. C'est un de ces icebergs qui, en 1912, va couler le Titanic, d'ailleurs. On a marqué tous ces icebergs. Ils partent, mais grands comme le... Non pas comme l'amphi, mais comme la fac, hein. Ils partent comme ça, ils se décrochent, en fait, de ce grand glacier qui s'appelle le Eki. Et puis ils partent. Et de plus en plus, ce qu'on appelle le vélage des glaciers, c'est le décrochage d'un gros morceau de glace qui s'en va vers le sud, se produit en accéléré aujourd'hui. Quand j'ai fait ces photos, il faisait 16 degrés, j'étais en t-shirt dehors. Le ciel était bleu, la mer d'huile. Alors c'est sympa pour faire des photos et pour visiter Groenland, c'est moins sympa quand on pense à ce qui peut bien sûr se passer demain. Donc, climat et biodiversité. Alors, tout a commencé dans l'océan. Moi qui suis un marin, j'aime bien ça, j'ai passé ma vie. Tout à l'heure, Frédéric vous a parlé de mes travaux sur les saumons. Je m'intéressais aux migrations de ces petits animaux grands comme ça, qui naissent à 1000 km de la mer dans l'Allier, qui vont descendre la Loire jusqu'à Saint-Nazaire, avec une idée étrange, hein. Ils vont trouver le Groenland, ils vont grandir là-bas et revenir dans leur rivière à eux, dans l'Allier. Curieux ce système. Le vivant invente des trucs un peu bizarres finalement. Ça coûte de l'énergie, mais c'est magique. Et ça marche, c'est des bijoux qui sont apparus, oui, il y a déjà un moment d'ouverture de l'océan Atlantique, il y a 100 millions d'années. Et bien sûr, l'homme est un casse-tout. Mon maître, qui s'appelait Robert Barbeau, un professeur d'écologie à Paris, disait en fait, il a écrit un livre en 2006 qui s'appelle « Un éléphant dans un jeu de quilles ». Vous allez voir qu'on est tous des éléphants dans un jeu de quilles. Pour moi, l'humain est devenu un rompeur d'harmonie. J'aime pas trop le mot équilibre, je l'utilise pas parce que l'équilibre dans la nature est trop fugace. Il existe, mais une fraction de seconde, on n'a pas le temps de le voir. Donc je préfère parler d'harmonie. Et l'harmonie peut être violente, hein. Un lion qui tue un impala, c'est violent, mais c'est harmonieux. Parce qu'il y aura toujours beaucoup plus d'impalas que de lions. Donc comment est-on en train de rompre partout l'harmonie? C'est une vraie question. Et pourquoi surtout? Pourquoi on le fait? Et maintenant que l'on sait, pourquoi on continue? C'est ça la vraie question que je pose au monde politique, bien sûr. Hein. Voici donc les éléments qui apparaissent dans l'univers il y a 12 milliards d'années. Cette météorite, elle tombe dans un champ, pas très loin d'ici, en mai 1864. Alors voilà un exemple intéressant. C'est moche comme tout. Elle fait 11 kilos. Un paysan du Tarn-et-Garonne la ramasse. Jamais un animal n'aurait fait ça. On me dit, elle est où la différence entre l'humain et l'animal? Voilà. Aucun animal n'aurait ramassé la météorite d'Orgueil. Elle tombe du ciel. Il appelle ça une couleur tombée du ciel. Il la ramasse, puis il la met dans une caisse à oignons dans son jardin. Et on oublie plus de 100 ans dans la caisse à oignons. En 2005, des randonneurs qui passent par là, lui, tu sais, ton caillou, c'est pas un caillou ordinaire, hein, c'est, il vient du ciel. Ben oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassé, c'était brûlé d'ailleurs. Tu me donnes. Et il aboutit, rue Buffon à Paris, devant les plus puissants engins que l'on ait en géochimie, hein, étude des éléments chimiques minéraux. Et là, on la date. 4-6 milliards d'années. Ce caillou, alors quand vous le caressez, ça change le système. Hein. Votre cœur, il est comme ça. Hein. Je caresse un truc super moche, mais qui a 4,6 milliards d'années. Oh. Et voilà. Comment raconter une histoire à partir d'un objet qu'on aurait jeté à la poubelle? C'est ça le rôle de la science, finalement. Ça, c'est l'océan qui est stable depuis au moins 100 millions d'années. Il ne change pas l'océan, toujours le même. Et ça, c'est un estuaire. Alors, j'aurais dû, d'ailleurs, ce matin, j'ai pas pensé, quand j'ai repris les images, j'aurais dû vous mettre, bien sûr, ma Gironde à côté. Hein. Ça aurait été plus judicieux. Ça, c'est un estuaire en Afrique. Mais c'est quoi un estuaire? Regardez, vous avez l'eau douce ici, ici l'eau de mer. C'est quoi ça? C'est quoi ce qui est là? Là, je vous mets, là, votre sang en ce moment. Tous! Pourquoi a-t-on dans notre sang 142 millimoles de sodium? Vous lirez votre prochaine analyse de sang, hein, quand vous irez à médecin, vous aurez fait. Vous regarderez. 142 millimoles de sodium, 105 de chlorure. C'est quoi le chlorure de sodium? Ben, c'est l'océan. Tous, au sein de chacun ici, garçons et filles, nous sommes faits de l'océan ancestral. Ça, ça raconte l'histoire de la sortie de l'océan il y a à peu près 450 millions d'années. Nous sommes une fraction de l'océan. Sinon, on n'a aucune raison d'avoir au sein d'entre nous les principaux éléments de l'eau salée. Je vais continuer.
Le plus ancien fossile qu'on ait à Paris dans nos collections, des cyanobactéries, trouvées ici en Australie, datées à 3,45 milliards d'années. Et les mêmes, tout à l'heure, Frédéric m'a accueilli sur le perron, là, il y a une flaque d'eau, il a plu cette nuit-là. Dans cette flaque d'eau-là, il y a des cyanobactéries. Elles ressemblent incroyablement à celles qui étaient là dans l'histoire primitive de la Terre, il y a presque 4 milliards d'années. C'est les mêmes. Elles ont évolué, bien évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes. Elles sont toujours là. Alors quand nos capitalistes, ces entreprises, viennent me dire, tu sais, ce qui compte, c'est l'entreprise performante, agressive, c'est pas vrai. Je vais vous montrer que c'est pas vrai. Je leur dis, mais vous savez, la durabilité, la sustainability, hein, la soutenabilité, vous êtes nuls, vous avez quoi, 20 ans, 30 ans, 100 ans? Elles ont 4 milliards d'années. Comment elles ont fait? Alors, au lieu de mettre des pesticides dans la mare ou faire un parking par-dessus, allons voir comment elles font. Retrouvons le respect de ce vivant qui nous entoure. Admettons qu'on en fait partie. Délicat. Alors, l'histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Bruno, vous avez parlé de ça il y a 2 ans. C'est une longue succession de tragédies. Il y a eu plusieurs moments où la vie a failli passer à la trappe. Je vais prendre un seul exemple. Les oursins. Ça, c'est la grande crise entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Les rouges vont disparaître définitivement, il n'y en aura plus, comme les trilobites. Les verts étaient partis un petit peu avant, les cératites vont mettre un certain temps, puis vont repartir. Ça, c'est des ammonites, donc des mollusques, hein, des sèches. Ça, c'est des oursins. C'est fantastique. 2 oursins passent de l'ère primaire à l'ère secondaire. 2. Il y en a 700 aujourd'hui, oursins, on connaît. Mer profonde, mer chaude, mer froide. 2 passent. C'est incroyable. C'est le rat de la culotte pour les oursins. Hein. Ils ont vraiment failli, les oursins, comme les trilobites, passer à la trappe. 2 passent. Et regardez, aujourd'hui, on en a 700. Ce qui veut dire qu'il a fallu 6 millions d'années pour en refaire 3, 23 pour en faire 10, 51 millions d'années pour en faire 80. La résilience peut être très très longue. Mais vous voyez bien que si les deux n'étaient pas passés, il n'y a pas de résilience, puisqu'ils avaient disparu. Hein, les rouges, les trilobites, tout cela, ils ne peuvent pas résilier, ils sont morts. Donc c'est sans arrêt le système, et on résume, good genes and good luck. Il vous faut au moment où l'événement survient, les bons gènes, et de la chance. Et c'est comme ça que marche l'évolution. Il y a un terme que j'utilise souvent, c'est la contingence. Pas si vous l'utilisez dans vos langages de l'éther. C'est quoi la contingence en évolution? C'est le fait qu'un événement qui survient, qui va totalement bouleverser votre vie, aurait très bien pu ne pas se passer. Et là, si on est là aujourd'hui, on est là ensemble, dans le même lieu, au même moment. Intéressant, c'est parce qu'un dinosaure à point bleu a croisé une copine à point rouge il y a 215 millions d'années. Voilà. C'était pas croisé, on ne serait pas là. Le grand-père et la grand-mère ne se seraient pas croisés. Et tout est comme ça dans l'évolution. Comme disait Monod, c'est fait le hasard et la nécessité. Tout marche comme ça. On ne refait pas l'histoire. Donc ça s'est passé, ça s'est passé. Alors pourquoi est-on intranquille? On est intranquille parce que ce climat change, que ce vivant s'en va trop vite. Question de l'énergie, de l'eau, un bébé humain, c'est 3/4 d'eau. Je pense qu'on a m'engueulé avec des agriculteurs qui arrosent le maïs ici, il était 3/4 d'eau. On lave sa bagnole avec une molécule qui fait les 3/4 d'un bébé à la naissance. C'est ahurissant. Le non-respect de l'eau nous amène à des catastrophes incroyables. Plus encore que la disparition du vivant. On est fait d'eau. Les filles ont un petit peu moins d'eau que les garçons. Voilà. Mais le bébé qui naît, fille ou garçon, c'est la même quantité d'eau. Et après, quand on vieillit, les garçons gardent un petit peu plus d'eau. Un vieux qui meurt à 100 ans, il va finir à 61% d'eau, une vieille dame à 58. Les filles ont un peu plus de lipides que les garçons. D'ailleurs, j'ai souvent ça doit faire les rondeurs dont les mâles raffolent, mais ça marche comme ça. Hein. Un peu moins d'eau chez les filles que chez les garçons. Mais l'eau est indispensable. Le climat, les pollutions... Au niveau énergétique, du feu à l'énergie nucléaire, en passant par les révolutions technologiques, numériques, nanotech, robotiques, on parle que de ça. Dans 2 grandes conditions qui sont la démographie d'un côté, toujours galopante, et les ressources qui s'effondrent. Voilà, c'est notre équation de départ. Comment on fait? Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour vous catastropher, je ne suis surtout pas là pour vous désespérer. Je suis là pour vous faire réagir. Parce que si on ne réagit pas, si on continue comme avant, Einstein disait souvent, si j'étudiais un problème avec les mêmes méthodes que j'utilisais avant, je ne vais jamais rien pouvoir trouver de nouveau et améliorer la situation. We have to change. Comment? Voilà la vraie question. Paul Ehrlich, qui est un vieux monsieur maintenant, il est né en 1922, et quand il est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques, fait sa leçon inaugurale, comme je fais avec vous ici,
Can a collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations? La question est lancée. On va essayer d'y répondre. Voilà, une des réponses, c'est ça. Ah, pourquoi ça se produit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va mal? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourquoi ces gens-là ne sont pas contents? Et ce qui m'a horrifié dans cette crise des gilets jaunes, comme on l'appelle, c'est qu'on a voulu faire croire à ces gens-là que l'écologie était un sport de riches. Monsieur Lowe, c'est un riche, de toute façon, donc ce qu'il dit, c'est des conneries, puisque de toute façon, c'est effroyable. Qui va trinquer si ça va mal? C'est les riches? Certainement pas. Donc, vous voyez que l'écologie est partout, et vous, en sens humain et social, c'est fondamental que vous y pensiez tous les jours. Tout impact environnemental, climat ou diversité a forcément un impact social. Comment on réagit là-dessus? Comment on met la situation? Edgar Morin, mon ami, me dit, qui va avoir 100 ans bientôt, Edgar disait au président Macron, mais monsieur le président, quand on gouverne en laissant une partie des gens de côté, comme c'est le cas ici, le premier gourou qui passe, il gagne. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie, au Brésil, en Hongrie, même aux États-Unis, hein, c'est un gourou, l'autre aussi. Hein. Donc c'est... Et puis il disait aussi, Edgar Morin, on risque de revenir à la barbarie. Et chaque fois que l'humanité est revenue à la barbarie, qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. Donc vous voyez que c'est des causes d'intranquillité, tout ça, bien sûr. Alors ça, c'était samedi après-midi, et ça dimanche. Donc là, c'est la convention de LRM qui faisait un débat ici donc, sur la transition écologique. Là, c'est Brune Poirson, secrétaire d'État. Emmanuel Vargon, secrétaire d'État aussi. On a mis des femmes, c'est bien, hein, il y a des femmes, c'est bien, il n'y a pas que des garçons. Et on discute de ces questions-là, justement, comment un monde politique prend en considération ces questions-là. J'attends qu'il le fasse. Ce n'est pas toujours beaucoup plus... Quand est-ce qu'on mettra en priorité les questions dont je vous parle ce matin? Bien avant tout le reste, les finances, on s'en fout. C'est vraiment des questions qui sont liées à un bien-être futur de l'humanité. Sur quels critères va-t-on évaluer le progrès? C'est une vraie question. C'est très important. Et ça, c'était avant-hier, c'était dimanche. Donc nous sommes ici à Darwin Climax ce matin, je fais ma conf là. Et là je suis avec Raoni. Raoni c'est un chef Kayapo du Xingu au Brésil, qui est un vieux monsieur, il a 90 ans. Raoni a toujours été un militant écologiste sans le savoir en fait. Et là on évoque la vie de quelqu'un qu'on a connu tous les deux qui s'appelait Chico Mendes. C'était un seringueiro du Brésil. Et quand moi j'avais 17 ans, j'étais un petit garçon. Hein. Et il m'avait dit, ce monsieur, ça m'a marqué à vie, il m'a dit, tu sais, je ne vivrai pas très longtemps. Effectivement, il a été assassiné par les grands propriétaires terriens quelques 2 ans après. Et lui, il l'a connu, évidemment. Donc vous voyez que tout ça, c'est extrêmement important d'amener là-dedans de la réflexion, de l'émotion aussi. On ne fera pas tout uniquement avec la science basique. Comment est-ce qu'on réagit avec nos tripes, hein? Je vais y venir. Quelles sont les plaies de l'écologie aujourd'hui? Le productivisme agricole. On peut très bien changer. Je pense qu'on va gagner. Arrêter les pesticides, c'est jouable. On sait faire, mais plein de gens font différemment. Là, il faut qu'on gagne. Vous avez vu le débat en ce moment, j'ai honte. Pour ça, j'ai engueulé dimanche, là, LRM. Le débat, c'est pour mettre des pesticides à proximité des maisons. On avait dit 200 mètres. Non, ils discutent entre 5 et 10 mètres. Des semaines de discussion pour savoir si on met 5 ou 10 mètres. On se fout du monde. Des débats qui n'ont pas raison d'avoir lieu. 200 mètres, oui. Pas entre 5 et 10 mètres. Près des écoles, par exemple. Vous rappelez la France comme spéciale là-dessus, hein, parce qu'on a un pays qui gobe tout. Hein. Rappelez-vous de Tchernobyl, vous êtes un petit peu jeune encore, hein, mais revenez à Tchernobyl, le nuage nucléaire, il a épousé exactement les contours de l'Hexagone, il n'est pas rentré en France. Deuxième gag, il y a 35 ans, on lance la grande réflexion française sur la transition vers des énergies renouvelables. On confie ça à 2 institutions. Institut français du pétrole, et commissariat à l'énergie atomique. De qui on se fout? Et les Français donnent tout ça. Vous voyez l'esprit critique que j'évoquais tout à l'heure, hein, il faut hurler quand on vous propose ça. C'est inconcevable, on se fout du monde. C'est pareil pour 5 mètres ou 10 mètres, pour mettre des pesticides près des établissements scolaires, des écoles et puis près des maisons. L'eau, on en a dit 2 mots tout à l'heure, nous sommes faits d'eau, donc l'eau, t'as dit, l'eau c'est la vie. Ça c'est clair, hein, on ne peut pas se passer d'eau, donc bah, l'eau, il faut qu'on arrête de la souiller, de la gaspiller. On ne va pas manquer d'eau en volume. On manque d'eau en qualité de l'eau, eau physiologique que l'on peut boire, que l'on peut utiliser, bien sûr. La pêche. La pêche est très bien, moi j'ai rien contre la pêche.
Par contre, si je suis farouchement, je freine de partout sur la surpêche. Vous enlevez plus que ce que la nature produit chaque année, c'est pas sustainable. On est en train de rendre une ressource qui est renouvelable. Non, puisque de toute façon, vous prenez plus. Donc là aussi, là, je pense aussi qu'on n'est pas très loin de réussir. On sait ce qu'il faut faire, comment. Il faut une vraie volonté politique. Et avec les pêcheurs, on devrait arriver. La forêt s'en va. Tout à l'heure, je l'ai évoqué pour la forêt tropicale. Il faut arrêter, c'est clair. Il faut arrêter de déforester, de brûler, de détruire en permanence. Le vivant s'en va. Et on pollue tout. Et ce qui est terrible dans la pollution, c'est qu'on pollue des zones où l'humain n'est pas. J'étais en Arctique il y a quelque temps, il y avait des oies. On a analysé les tissus de quelques oies sauvages qui n'avaient jamais vu d'humain. Ils sont bourrés de pesticides. Et de ceux qu'on mettait sur les champs il y a 50 ans, pas les actuels. Vous voyez qu'il y a vraiment des efforts. Il faut arrêter le plastique dans l'océan, bien sûr. Les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, les excès de produits organiques. Regardez ce qui se passe en ce moment dans la mer des Caraïbes avec la prolifération des sargasses. Ça devient épouvantable. Le dernier, aussi trop tard pour faire quelque chose, c'est le climat. Il fallait s'en occuper avant le climat. Hein. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut simplement faire, c'est essayer de limiter les dégâts et s'adapter au changement. Voilà. Et pour s'adapter, hein, moi je suis un spécialiste d'adaptation, hein. Aucun animal, aucune plante ne s'est adapté au cours de l'évolution sans changer. Et nous, on veut s'adapter sans changer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il y a un vrai travail de réflexion à faire là-dessus. C'est très important. Quand ça a commencé ces questions-là, bon, en fait, l'humain a avancé par des technologies. On domestique le feu, 1,5 million d'années, en Afrique. L'humain est africain. Sapiens est né en Afrique. Sapiens était noir. Alors ça ne plaît pas à certains. C'est nous qui avons éclairci en fait dans l'histoire. Hein. Mais j'étais tous noirs au début. Et puis effectivement, il y avait un caractère. On connaît bien les gènes, on connaît bien l'époque où la blancheur est apparue, hein, l'éclaircissement est apparu. En Europe du Nord, en Asie du Nord, c'est comme ça. Et puis c'est pareil, on a perdu nos poils aussi. Aujourd'hui, il naît toujours des animaux sans poils. Il y a des élevages de vaches, de cochons, de poulets, ils n'ont pas de poils, ou de plumes pour les poulets. Qu'est-ce qu'on fait? On les jette. Ils sont anormaux, ceux-là. Ben, à l'époque, les humains, ils ont gardé ceux qui n'avaient pas de poils. On est là aujourd'hui tous sans poils. Un peu sur la tête, quand même, hein, mais pas beaucoup. Donc quand on n'avait plus de poils, on était piqué les poils des autres. Hein. Vous appreniez ça en CP, l'humain va se vêtir de peau de bête, vous vous rappelez? Et le feu permettra à l'humain de sortir de l'Afrique, parce que le feu permet de se chauffer, de prolonger la longueur de la journée, de parler le soir au coin du feu. On voit le cerveau humain qui va augmenter beaucoup en volume après la domestication du feu, parce qu'il se raconte des histoires. Néolithique, c'est la deuxième grande date fatidique, c'est l'invention agriculture-élevage. Les femmes font beaucoup d'enfants, et donc on arrête de bouger. Et le nomadisme, c'est une question terrible aujourd'hui. Quand je suis en Asie centrale, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, avec ces nomades, ils ne peuvent plus nomader comme ça, au Mali non plus, parce qu'aujourd'hui, quand vous nomadez, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez chez quelqu'un qui vous dit « Ah non, non !» Ça c'est chez moi, moi je te mets dehors, je veux pas de toi chez moi. Et tout est comme ça en fait. Donc, il faut produire sur place, on cultive et on élève. La machine à vapeur, ça c'était une très grande date fatidique. Alors là je vais être un peu provocateur. Est-ce qu'on a eu raison d'inventer la machine à vapeur? Sur le seul bilan du climat d'aujourd'hui, non. Qui à l'époque, quand James Watt invente la première locomotive, se dit ben, « c'est bien ce que vous avez fait là, j'ai moins travaillé, on passe du cheval animal au cheval vapeur, mais il me faut du charbon et du pétrole. » On va chercher dans la Terre des produits qui étaient là, stockés par le système Terre pour l'éternité, des milliards d'années. Le charbon, il n'embêtait personne, hein, les grandes forêts du carbonifère. Le pétrole, entre 250 et 25 millions d'années, c'est du plancton marin, le pétrole. Hein. Ça gênait personne. On va le chercher et on le remet dans le système. Et puis ben, le système il réagit parce qu'on en met beaucoup trop. Et aujourd'hui, ben, il vous est dit 1,2 degrés sur 120 ans. Puis c'est compliqué. Regardez tous, en ce moment là, on respire dans le même amphithéâtre, d'accord? Il y a du CO2 là, dans l'air. La moitié de ce CO2 a plus de 100 ans. Donc vous comprenez ce qui se passe. Même si j'arrête maintenant de mettre du CO2,
J'ai encore pour un certain temps de changement climatique. Un siècle, deux siècles, trois siècles. La température va faire que grimper. Donc c'est là qu'il faut qu'on réagisse. Arrêter d'en émettre, et pourquoi pas demain, avec d'autres nouvelles technologies, sans charbon et sans pétrole bien sûr, commencer à retirer celui qu'on a mis depuis l'ère industrielle. Ça c'est une vraie question. Si on le met où, qu'est-ce qu'on en fait? Question super importante. L'homme est totalement imprévoyant. Trois grands défauts. L'imprévoyance. On n'a pas de culture de l'impact. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? On ne se pose jamais cette question-là. L'arrogance, toujours meilleur que les autres, surtout les garçons. Les garçons sont beaucoup plus arrogants que les filles, ça c'est clair. Et la cupidité. Là, malheureusement, les filles sont aussi cupides que les garçons. Ou alors, si elles ne sont pas cupides, elles sont amoureuses d'un mec cupide. On ne s'arrange pas tellement la situation, finalement. Bon, ça, c'est extrêmement important. Regardez tous les jours ce qu'on fait. On veut toujours plus. Donc si on arrive à mettre de côté au vestiaire l'imprévoyance, l'arrogance et la cupidité, ouais, on a quelques chances d'aller beaucoup mieux demain. Et puis c'est 45, pour moi c'est une date très importante, parce que 45, l'humain est capable par sa technique, sa technologie, finalement de mimer un grand événement naturel. Je me suis amusé, j'avais fait un papier où je comparais Hiroshima à l'éruption du Vésuve. Même résultat, 60 000 morts en 2 heures. Donc là, vous voyez que l'intelligence, la créativité de l'humain lui permettent de mimer des événements comme ça qui sont effectivement naturels. C'est assez intéressant de regarder comment ça se passe, effectivement. Et deuxième intérêt de la date 45, c'est l'explosion de la démographie. Nous étions, en 1945, nous étions 2,1 milliards d'humains. Nous arrivons à 8. On a multiplié par 4 la population humaine depuis 1945. Ça, bien sûr, c'est pas sans impact hein, sur les questions qu'on aborde ici ce matin ensemble. Et c'est l'invention du mot anthropocène par Paul Crutzen, un prix Nobel de chimie. Anthropo, l'humain, scène, l'époque. Donc, effectivement, l'époque où le plus puissant moteur du changement, c'est l'humain, l'anthropocène. Nous sommes rentrés dans l'anthropocène. Alors, ça embête beaucoup les géologues, ils veulent pas de ce terme-là, c'est trop récent, hein. On fait partir quand à la révolution industrielle, 1945, moi je pencherai pour cela. Où a-t-on des couches géologiques aujourd'hui correspondant au nouveau développement de l'humanité, du plastique, des briques, du béton, des matières radioactives? Ouais, 1945 à peu près. Hein. On change le système tel qu'il était auparavant, sans l'existence de 8 milliards d'humains demain. Chauvet, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Ah, je pleure à chaque fois. Chauvet, on peut visiter 2 fois 5 personnes par an. Oui, le privilège d'aller au Chauvet original, hein, pas la copie. C'est bien d'aller voir la copie, puisqu'elle est intéressante. Hein. Mais je ne peux pas avoir la même émotion devant une copie que devant l'original. Et je connais très bien Jean-Marie Chauvet. Jean-Marie Chauvet découvre cette grotte le 19 décembre 1994, avec ses deux amis, là, Hélène Brunel et puis Christian Hiller. Et il a révélé le monde. C'est trop beau pour être vrai. Même Clot, à l'époque, avait dit, c'est un fou. Non, c'est merveilleux. En plus, comme ils écrasaient leurs torches sur le mur, parce que le noir de Chauvet, c'est du charbon de bois. C'est super datable. Alors que le noir de Lascaux, c'est du manganèse. Ben, 20 000, oui, on a remis ça dans la chronologie générale, mais c'est pas aussi clair que les charbons de bois de Chauvet. 14 animaux à Chauvet, 7 à Lascaux, 20 000 en Lascaux, 37 000 en Chauvet. Qui dessine comme ça dans l'amphi, là? Et surtout, ma question, à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ça? En plus, c'est fantastique, hein. Moi j'aime bien être avec des enfants, des tout petits. Demandez à une petite fille, à un petit garçon de faire un beau dessin. Enfin, un beau dessin. Et vous le demandez à un autre. Jamais il va redessiner sur le dessin qu'il a fait avant. Il prendra une deuxième feuille, il fera un deuxième dessin. Ah non! Regardez mon rhinocéros, il passe par-dessus, hein. Il remonte sa corne, hein. On peint un rhino sur un bison sur un ours. À quoi ça sert? Pourquoi ils font ça? En plus, je reviens au petit enfant actuel, quand un enfant fait un beau dessin, il n'a qu'une envie de vous le montrer. Ah non, ils font ça au fond d'une grotte. Qui va y aller? Qui va voir ça? On dessine par-dessus. Voilà. Ah, c'est Homo sapiens. Est-ce que c'est de l'art? On se pose beaucoup la question. Pour moi, oui. Pour les gens qui le faisaient sur le moment, sans doute pas. Vous voyez que... Bien sûr, ça servait dans la tête à quelque chose, bien évidemment. Mais c'est pas un truc matériel comme aujourd'hui. On ne sauve que ce qui sert à quelque chose. Réfléchissez depuis ce matin à ce que vous avez fait.
qui ne sert absolument à rien, mais qui vous a apporté du bonheur et du plaisir. Comment est-ce qu'on mesure à l'aune du progrès ce genre de considération? Ça, sans séminaire social, ça ne marche pas, et sans philosophie. Hein. Vous voyez qu'il faut qu'on change complètement nos systèmes. Quand Chir Aurobindo disait en fait qu'il faut un changement profond de la nature humaine, pour un biologiste, un changement profond, ça s'appelle une métamorphose. Il faut cette métamorphose. Comment est-ce qu'on va l'acquérir? Avec quelle discussion? Quelle réunion? Comment on va progresser dans notre tête? Ça, c'est très important. Donc, question posée par des géologues américains il y a 10 ans, est-on en train de mettre en place les conditions d'une nouvelle crise d'extinction? Parce qu'on détruit et on pollue. On surexploite la forêt, la pêche, on pêche de plus en plus petit, de moins en moins de poissons, on dissémine tout partout. Et enfin, le climat change. Dans le climat qui change, bien sûr que l'humain a une action très forte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut arrêter de détruire et de polluer si on veut. On peut, bien sûr que oui. On peut arrêter de surexploiter. On connaît les modèles mathématiques. Je peux pêcher tant de morues, tant d'angoustes, mais on ne fait pas. Arrêtez de disséminer des espèces invasives. Celle-ci, c'est une micro-méduse qui vient d'un petit port des États-Unis, Cape Cod, dans l'Est américain, et un bateau, un petit, 30 000 tonnes. Il a rempli ses cales du bateau avec de l'eau de mer de Cape Cod, et il y a cette méduse dedans. Elle arrive en mer Noire. Manque de chance, elle vient sans son parasite et sans son prédateur. Elle explose. 10 ans après, 1 million de tonnes de biomasse de méduse de Cape Cod. Qui bouffe tout, on effondre 40 000 tonnes de pêche à l'anchois. Que deviennent les pêcheurs? Et tout est à l'avenant, je pourrais vous raconter des histoires comme ça en permanence. Imprévoyance. Voilà, c'est la courbe la plus dure que j'ai à vous montrer ce matin. À chaque fois, elle me fait mal au cœur. En vert, c'est le sauvage. 10 millions en 1950, en 2000, aujourd'hui, l'effondrement du sauvage. Il reste 7% de nos tigres, 8% des lions, 7% des guépards. On a tué la moitié des éléphants en 40 ans, les girafes. Sur les pays africains, on a tué en 40 ans entre 52 et 97% des girafes. Pourquoi? Et là, je reviens à tout. J'ai dit tout à l'heure, c'est pas les femmes qui tuent les girafes, c'est que les mâles. Question intéressante. On va trouver une sur Internet qui a tué une girafe. Bon, elle doit faire beaucoup de testostérone, cette fille-là. Ce qui est clair, c'est que c'est un truc de mec. Et pourquoi? Parce que les gamins à 14 ans ont tous des kalachnikovs. Une kalach en Afrique, où je vais, en Ouganda, ou bien au Soudan, ou bien au Congo, ça coûte 50 euros. Elles sont chinoises. Vous vous rappelez le massacre du Rwanda, une vingtaine d'années? Des bateaux arrivés remplis de machettes. Pour couper les gens en deux, on coupait les types, on tue 1 million de personnes sur 3 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien, on a regardé. Et là, en ce moment, c'est des kalaches. Ils ont 14 ans. Ils ont bien sûr violé toutes les filles du village d'à côté. Et puis, bah, ils tuent tous mes crocodiles. Je vous dis, mais exprès, mes crocodiles, mes éléphants, mes girafes. Tout est tué, tout est assassiné, en fait. Très, très vite, partout. C'est pas pour les manger, donc c'est vrai que là... Donc, en bleu, c'est les animaux domestiques et en rouge, les humains. Donc, vous voyez qu'on est dans une effroyable accélération de la biomasse d'humains et de la biomasse d'animaux domestiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Manger moins de viande, je vous ai dit, ça c'est clair. Les filles, regardez les filles encore. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont votre âge, hein? Un peu plus jeune. Tous les jours! Elles font 30 km, 15 allées, 15 retours pour ramener de l'eau. 20 fois en Afrique, je me suis arrêté pour mesurer le volume de ces bidons. Chinois, plastique chinois. 17 litres. Ben, allez-y les filles, prenez 17 kilos de bidons dans les bras, sur un vélo, sur ce que vous voulez, et tous les jours, faites 30 km. Et quand vous faites ça, vous n'allez pas à l'école. Vous ne recevez aucun salaire pour faire ça. En Afrique, les femmes ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Et en plus, vous faites des mauvaises rencontres en route. Voilà. Ça concerne 700 millions de femmes en Afrique. Donc on a calculé le nombre d'heures de travail lors de la COP21, hein, avec ce climat qui change. L'eau est de plus en plus lointaine, de plus en plus rare et de plus en plus souillée.
On voyait quand même qu'il y a des choses à faire. Au lieu d'envoyer sa Tesla dans l'espace qui va tomber sur la tronche de quelqu'un un jour prochain, peut-être qu'on peut aider ces gens-là avec un peu d'argent à avoir de l'eau de qualité buvable beaucoup plus près de chez eux. Alors, la résilience, elle est où? J'étais l'an dernier avec Boris Cyrulnik, on était à Marseille. Il organisait le 4e congrès mondial sur la résilience. On avait pris trois sujets, on avait pris quatre sujets. On avait pris le massacre du Rwanda que j'évoquais tout à l'heure. On avait pris quelque chose que je trouvais absolument horrible, moi c'était insupportable, qui est l'inceste. On avait pris l'attentat du Bataclan. Et on avait pris. J'ai bougé un peu. Et on avait pris l'écologie. Hein, les écosystèmes, comment est-ce qu'ils vont résilier? Ah, j'ai touché le fil. Ça y est, c'est bon. C'est bon? D'accord, excusez-moi. Donc, comment on regarde ça aujourd'hui? Nos écosystèmes. J'ai pris deux exemples terrestres et marins. Les abeilles sur Terre qui s'en vont. Et comment les ingénieurs veulent résoudre cette question-là? Ils me disent, c'est pas grave, il n'y a plus d'abeilles, c'est embêtant. Je fais des drones. C'est ahurissant de conneries. Hein. D'abord, un drone, c'est pas faire de miel, pour commencer. Attends, laissons les abeilles là où elles sont. Et en mer, c'est ce qu'on appelle en anglais jellification. Jellyfish, c'est la méduse. On a une médusation de l'océan aujourd'hui parce que les tortues qui les mangeaient, les grands thons qui les mangeaient, ont été tous extirpés pour les pêches. Donc, première chose à faire, je vous ai dit tout à l'heure, il faut résister à l'agression, au trauma. Et si vous n'êtes pas mort, peut-être que vous pourrez résilier et revenir à quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce qu'il y avait avant. Ici, on a modélisé mathématiquement une dépression nerveuse chez un humain. Vous voyez comment ça se passe? Vous avez un état de départ, vous subissez le trauma, vous résistez plus ou moins, mais vous ne disparaissez pas. Et après, vous revenez à un état de base plus ou moins proche de ce qu'il y avait avant. C'est ça la résilience. Mais encore une fois, on ne peut résilier que si on est toujours là. Alors sur le Bataclan, c'est super intéressant parce qu'on a 10% des gens qui ne résilient pas. Et ce n'est pas les gens qui étaient dans la salle, c'est les gens qui, aux terrasses de café, ont assisté au massacre de ces gens-là. Comment Rwanda a résilié? Quand vous avez eu votre père, votre mère, votre sœur assassinés par le voisin, découpé la machette. Donc tout ça, c'est des questions. Et en écologie, c'est clair pour nous que les écosystèmes sont fortement agressés, subissent des traumas. S'ils ne sont pas détruits, oui, l'océan est très capable de résilience, par exemple. À condition de ne pas le mettre dans des états, finalement, où il ne pourra pas repartir. Voilà, la biodiversité, tout le monde pense que c'est ça. Voilà, c'est ça la biodiversité. Une plage de Guadeloupe, il y a une douzaine d'années, on est 5 mètres sous les fesses des touristes, on fait des gros trous dans le sable, les gamins étaient ravis, et on cherche des trucs que personne ne connaît, puisqu'on n'était jamais allé chercher des trucs dans ces coins-là. Les touristes regardaient, mais c'est des fous, on paye des mecs pour faire des gros trous comme ça et pour trouver ça. Alors quand je montre ça, oui, vous avez raison, monsieur le professeur, il faut sauver la biodiversité. Mais c'est ça aussi la biodiversité. Ah là, ça change tout, là. On dit, attends, ceux-là, moi j'ai bien les sauver, mais tu veux quand même pas sauver ce truc super moche comme ça, là? Ah, pardon, excusez-moi. Le poisson de globule, le rat top nu? Bah si, ils ont aussi leur intérêt. Ce truc-là qui est hyper moche, qui avait aucune chance au une parade des moches, il est génial, il ne fait jamais de cancer. Et du jour au lendemain, il y a une star de la recherche, il va sauver l'humanité, mon rat top nu qui vit dans des terriers au Kenya. Comment on travaille? Alors si ce n'est pas les beaux, la biodiversité, ni les moches, c'est quoi? C'est ça la biodiversité, ça change tout. Ça c'est la biodiversité. Ça. Et qu'est-ce que vous mangez? Avec qui vous coopérez? Chaque corps humain dans la salle ici, c'est au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Comment on fait? Alors on a choisi quelques bestioles, comme par exemple ici la vache, beaucoup trop de vaches. Il y a plus de biomasse de vache sur la Terre que de biomasse d'humains. Et alors que les recherches fondamentales qu'on fait en ce moment nous montrent que, de plus en plus, tout ce qu'on fait en recherche très basique sur les cellules, nous sommes tous intimement liés en coopération, en symbiose, en commensalisme. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais je vous montrerai les relations du phytoplancton. Infiniment plus d'entraide que d'agression ou de compétition. Jamais seul, on n'est jamais seul. Ça, c'est un livre de Marc-André Sélos sur les arbres. Et celui-ci, c'est « Tous entrelacés ». On est complètement entrelacés.
nous faisons partie du système. Chaque fois qu'on l'agresse, on s'auto-agresse. C'est un peu con pour un truc qui s'est lui-même appelé Homo sapiens. C'est l'humain qui s'est appelé comme ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui nous a appelé comme ça. Voilà, une goutte d'eau de mer, où que vous alliez, des centaines de milliers de micro-algues, des millions de bactéries et des milliards de virus. C'est comme ça depuis l'origine. Ça fait 98% de la masse du vivant dans l'océan. Les baleines, les poissons, c'est que 2%. C'est incroyable. Vous avalez un peu d'eau de mer en allant nager, vous avalez plein de trucs. Vous êtes super beau quand même, ça marche très bien. Hein. Je vous rassure. Hein. Du respect pour tout ça. Un sol, votre jardin, puisque vous aimez votre jardin, c'est ça. Un sol, c'est... Alors l'eau de mer, c'est 13% des espèces connues sur la Terre. Les sols, c'est 26%. 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de champignons, des collemboles, des acariens, des tardigrades, des vers de terre, des nématodes. Tout ça, c'est la faune du sol. Notre agriculture moderne a tué la moitié des sols. Il n'y a plus rien. Nous voulons des coquelicots, voilà. Hein, quand vous faites 200 bornes en voiture ici, vous n'en voyez pas un seul, tout est pourri. Alors 30 ans que vous en voyez, hein, ben, ça vous tire une petite larme, parce que tout n'est pas encore pourri, les coquelicots reviennent. C'est là que, dans la démesure de ce qu'on fait aujourd'hui, ça va pas du tout. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols détruits, c'est impossible. Un vrai combat contre ces substances toxiques. Troisième écosystème et le dernier, c'est un intestin d'un bébé humain à la naissance. Quand le bébé naît, il est quasi accéléré, il n'y a pas de bactéries dans son intestin. Et là, vous voyez, c'est la maman. Je ne sais pas s'il y a des mamans ici dans la salle, quelques-unes. Rappelez-vous, mesdames ou mesdemoiselles, le moment précis de la rupture de la poche des os. À ce moment précis, les bactéries de l'utérus de la maman vont contaminer ce bébé dans le bon sens du terme. Le bébé, il met 2 années à stabiliser sa flore. Et c'est magique. Et quand on fait Tara Océan, 2009-2013, on fait un tour du monde avec un voilier, on séquence 35 000 stations en mer, les 3 premiers mètres de l'océan. On trouve plein de choses comme ça, des superbes nouveaux organismes qu'on ne connaissait pas, des dinoflagellés, des diatomées. Et puis ici, on a séquencé ces gènes. En bleu, c'est des gènes de micro-algues marines, de ça là. En rouge, mon bébé. En gris, on a un tiers de nos gènes en commun avec les micro-algues de l'océan. On vient du même moule. 2 tiers avec une mouche. Je parle de la partie codante. Hein. 90% avec un chimpanzé. 60% avec une banane. Ah non, on est à part. On n'a rien à voir avec tout ça. On vient pas du même système. Et pour vous achever, c'est ma dernière image là-dessus. Ça, c'est votre lit ce matin. Et que vous ayez dormi tout seul ou à deux, ça marche, mon truc, de la même façon. Parce que vous dormez dans ce lit, vous avez chaque matin en vous réveillant, dans le lit de chacun et de chacune, entre 1 et 2 millions d'acariens. Ah mais c'est dégoûtant votre truc, vous avez vu là, ils ont des épines, des poils partout, c'est comme ça. Ils sont mes étudiants, vous avez plus de relations intimes avec vos acariens qu'avec votre copain ou votre copine. Hein. Pas les trous de nez en vous réveillant, les cheveux partout. Ah voilà, c'est ça la biodiversité. C'est ça cette relation intime de l'humain avec cette nature. Alors ça, c'est l'aspect, comment l'humain est passé à autre chose que cela. Parce que le grand drame actuel, c'est que plus on travaille fondamentalement et plus on trouve les relations entre l'humain et le reste, et plus on croit que par notre technologie, on est sorti. L'écologie, c'est pour les pauvres, l'écologie, c'est pour les moches, l'écologie, c'est pas pour les humains. Écologie, éco, c'est la maison. Même racine que économie, d'ailleurs, c'est intéressant. Hein. Le yos, c'est la discussion. Sur la maison. C'est la science des relations entre les êtres vivants. Et moi, je fais une très grosse différence entre écologie, la science, et écologisme. Un mouvement politique, c'est pas la même chose. Hein. C'est pour ça que j'étais contre le fait que le ministère s'appelle ministère d'écologie. Parce que ça prend écologie, les gens pensent que c'est un ministère des écolos. C'est pas ça du tout. C'est un ministère de l'environnement. Hein. C'est pas la même chose. D'ailleurs, les mouvements politiques écologistes sont partis en même temps que la science écologique. Hein. C'est la fin, après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça, c'est le seul outil, la seule arme qu'avait l'humain depuis 3 millions d'années. Ça s'appelle un biface. J'aurais dû vous en apporter un. Il y en a ici à Bordeaux, vous avez des super spécialistes du biface. Hein. Un biface, c'est un caillou taillé. Et pendant 3 millions d'années, c'est la seule arme et le seul outil qu'a l'humanité. Avec ça, on ne fait pas trop de mal. En plus, on n'est pas très nombreux.
Là, quand les chasseurs actuellement m'énervent vraiment trop, ça arrive des fois. Hein. Je leur dis, bah, je te file un biface, tu vas me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Ça change tout. Bah, évidemment, bien sûr, c'est pas la Kalachnikov que j'évoquais tout à l'heure. Et on est passé aux armes de jet. C'était un grand, grand moment. L'ingénieur polytechnicien de l'époque invente l'arme de jet. Je tue à distance soit la proie, soit le prédateur. L'arc et les flèches, le propulseur, la roue vers 7000 ans. Et ça, c'est l'horreur totale, c'est la poudre noire. Je reviens à mes gamins tout à l'heure du Soudan qui ont des Kalachnikovs. Tellement facile de tuer. Il n'y a pas de corps à corps. Je tue au fond de l'amphi. Là, j'ai une rafale, j'en tue 8. Là. C'est tellement facile. Et ça donne un sentiment de puissance tellement incroyable. Ça, c'est très masculin aussi. Hein. Et on voit la démographie qui augmente. L'arc et la flèche, la roue, les cités, les villes, les moulins à eau et à vent, la poudre noire, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs. Et on voit l'explosion du nombre d'humains sur la Terre liée au progrès technologique. Combien de temps il me reste ? 10 minutes, d'accord. Et c'est ça, tout est lié finalement. Alors, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment on mesure le progrès, c'est des vraies questions. Voilà, ça c'est ce qu'a fait partir Nicolas Hulot. C'est des papiers qu'on a publiés au muséum durant le printemps 2018. L'effondrement des oiseaux communs dans les territoires agricoles en France, 30% en 15 ans sont partis. Le papier allemand, ici en dessous, a été terrible. En 27 ans, on a perdu les trois quarts des insectes qui volent. Donc Nicolas monte à l'Assemblée nationale le 20 mai 2018 et il crie « Indignez-vous !» Toute l'Assemblée nationale se lève, droite, gauche, extrême, divers. « Oui, bravo, vous avez raison !» Il n'y avait personne dans la rue, le lendemain. Et il me disait « Je suis tout seul. » Et le pompon, ça va être le 10 juillet 2018. On était tous à Act for Nature. On avait les 100 entreprises françaises les plus performantes qui s'engageaient pour la biodiversité et pour le vivant. Et le Premier ministre, il fait un lapsus monstrueux. C'est pas un lapsus, on peut se demander hein, la genèse d'un lapsus. Il présente Nicolas Hulot, monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État de la transition écologique et solitaire. Au lieu de dire solitaire. Aïe, je l'ai vu stasser un peu plus. Et il y a juste un an, le 28 août l'an dernier, il annonce à France Inter qu'il s'en va. Vous voyez que le combat n'est pas simple. Et pourtant, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il dit « Je ne peux plus tolérer qu'on avance trop à petits pas. » Je pense qu'on ne peut pas ne pas avancer à petits pas. Mais il en faut sans arrêt des petits pas. C'est comme les effets colibris. Hein. On aura des grosses transitions en énergie. Le jour où l'hydrogène sort en énergie, oui, je pense que là, on fera beaucoup de progrès. Hein. On va décarboner l'énergie, mais ce n'est pas simple. Regardez, même ceux qu'on aime, on n'est pas fâché de les sauver. Là, on a fait un travail sur les publicités. 20 000 publicités qu'on a analysées, qui ont un nom d'animal. Le chocolat lion, le thé d'éléphant, la voiture jaguar. Hein. Vous verrez, allez faire vos courses tout à l'heure, il y a plein de trucs qui ont des noms d'animaux. Et puis, on les a classés. Les 10 premiers, on se dit, ben, ça, ils vont bien. Non ! Ceux-là, le lion, le tigre, l'éléphant, la girafe, la panthère, ils vont pas bien du tout. On n'est même pas fichu de sauver ce qu'on aime. Vous voyez le gros débat. Ce sauvage s'effondre et domestique augmente comme c'est pas possible. Voilà, alors l'IPBS, c'est l'équivalent GIEC Climat pour la biodiversité. Donc on a notre réunion là au début du mois de mai, fin avril, début mai 2019. Et on conclut bah, que un demi-million ou un million d'espèces sont menacées très vite dans les 20 ans qui viennent si on ne change pas. Greta Thunberg intervient. Et là, j'ai été ulcéré de voir comment cette gamine a été accueillie par certains en France. Relisez les textes monstrueux d'Onfray, par exemple, hein, du transhumaniste aussi, Alexandre. Vous savez ce qu'on attaque ? Un enfant. Une fille, bien sûr. Elle est malade. Donc elle dit des conneries. Je vous défie de me dire, dans ce qu'elle a dit, quelque chose qui soit faux et pas soutenu par de la science. On l'a traîné dans la boue. Oh, moi, je vais discuter sur le fait. Est-ce que c'est bête d'inviter une petite fille de l'Assemblée nationale ? Tout ça, on peut en discuter. Mais sur ce qu'elle a dit, et vous assure que j'ai croisé, vous la regardez dans les yeux, elle vit ça dans ses tripes. Ce que moi, je n'ai pas réussi encore à faire passer pour les gens. Quand est-ce que l'écologie passera dans les tripes ? Elle se met à pleurer quand il raconte l'histoire de ma grenouille de Darwin en Patagonie. Donc, comment la presse réagit ?
c'est le papier qui avait changé ma vie de minage, je vous disais. Bon, novembre 2017, 15 000 scientifiques crient à tous les chefs d'État, demain il sera trop tard, réagissons. Le président Macron à l'époque réagit et il fait le Earth Summit à Paris et il dit, nous ne prenons pas le chemin financier de résoudre l'accord de Paris. Ça c'était décembre 2017. Comment est-ce que le même journal réagit il y a 2 mois? Même caractère, voilà, ça c'est Le Monde, juste après la IPBIS. Voilà, ça c'est la presse. Il n'est pas trop tard pour agir, mais bien sûr, on n'est pas là pour désespérer les gens. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comment on fait? Dans quelles conditions? On s'y attache tout de suite, tout à l'heure, dans l'heure qui vient, pas demain, pas après-demain, pas dans 6 mois. Il faut prendre ça en vraie considération. Donc l'agriculture, je passe rapidement. Ce qu'il faut faire simplement, c'est arrêter de mettre des pesticides et insecticides, ne pas détruire le vivant, l'utiliser, et surtout faire de la polyculture. Il n'y a aucun système naturel dans un champ, vous n'avez qu'une seule espèce. Et des tas de gens ont réussi ça en Indonésie, au Ghana, en Patagonie, partout les gens font de la polyculture. La permaculture a montré ce qu'elle peut produire, sans pesticides, sans insecticides, mais en polyculture tout le temps, sans gaspiller l'eau. Donc il y a de vrais travaux là, de recherche fondamentale à mener. On travaille beaucoup avec l'ISVV ici à Bordeaux, c'est l'Institut de la Science de la Vigne et du Vin. On a comme but de supprimer entièrement les pesticides à un horizon avant 10 ans. Alors n'oubliez pas une chose, c'est que le climat qui change affecte les vivants, mais le vivant qui s'en va affecte le climat. Ça c'est quand vous enlevez les arbres, il ne pleut plus. Et quand il ne pleut plus, il n'y a plus de paysans. Ils vont où? Dans les villes. Et on vit d'expédients. Les filles se prostituent, les types ils vont voler à la périphérie des villes. On n'a plus de champs agricoles, on n'a plus rien, il n'y a plus d'arbres. Ramenez des arbres. Et puis en mer, bien sûr, les herbiers de Posidonie, par exemple. Un herbier de marin, il est capable 50 fois plus qu'un arbre de stocker du CO2. Il y a plein de choses à faire. On sait, on connaît. Comment on fait? Comment on change? La mer, récif corallien, herbier, mangrove, la dipsie. Ça, c'est mon laboratoire à Bagnols. Et bien, il y a 15 jours, j'ai passé le week-end, voilà ce qu'il y avait dans la flotte. Voilà. Voilà ce qu'on fait de l'océan. Pour ça, tout à l'heure, je râlais après cette bouteille-là. C'est du BET, c'est très peu recyclable, mais ça va finir dans la baie de Bagnols, enfin ici ça va finir dans le bassin d'Arcachon. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont quand même essentielles. Arrêtez, pas attendre demain, pas attendre notre génération, on n'a plus le temps. Regardez ça, c'est assez intéressant, ça c'est un truc de mec encore ça. Les concours de pêche, c'est des mecs. Les mecs, ils veulent des gros trucs. Je pêche gros poissons, je suis génial et tout, je passe à la télé et à la radio avec mon poisson. Ça, c'est Key West en Floride, 1926 à 2007. La virilité, elle a pris un sacré coup, parce que le mec est champion avec 140 grammes il y a quelques années. Voilà. Partout, c'est comme ça. On a détruit 95% de tous les gros poissons de la planète en 15 ans. Regardez la surpêche. Je pêche tous les pélagiques, sardines, anchois, sachar. Donc j'effondre ceux qui les mangent, les oiseaux marins, les baleines. Les poissons du bout de chaîne. Comme il n'y en a plus, qu'est-ce qu'ils mangeaient du zooplancton? Il explose. Et qu'est-ce que mange le zooplancton? Du phytoplancton. Le plancton végétal. Le phytoplancton joue un rôle essentiel dans la capacité de l'océan à fixer du gaz carbonique. J'émets du CO2, j'en retrouve que. Allez, il me manque 30%. Et d'où le reste? Dans l'océan. L'océan a joué un rôle fondamental pour nous protéger. Mais c'est un océan vivant qui sait faire ça. Le climat qui change, vous avez parlé des remontées du niveau de la mer tout à l'heure. Là, je suis avec Thomas Pesquet et Bertrand Piccard, et on discute au Congrès mondial des astronautes du rôle de l'observation satellitaire de la Terre pour le climat. Les 3/4 de nos observations sur le climat viennent de l'espace. Les 3/4 viennent de l'observation satellitaire de la Terre. Voilà le climat qui change. J'étais en Patagonie, je vous disais, en janvier, il y avait ça dans le journal. Le même jour, il faisait moins 45 à Chicago et plus 45 à Buenos Aires. Le climat ne change pas, bien évidemment, bien sûr. La Patagonie brûle, là où il pleuvait tout le temps. Bon, je vous laisse lire ça, vous connaissez bien ça tous. Les maladies? 300 maladies nouvelles à Bordeaux depuis 1940. Pas inintéressant, ça. Elle vient d'où? Si j'enlève les maladies liées à l'âge, parce qu'on ne vivait pas si vieux,
Si j'enlève les maladies qui sont l'exposition au soleil, on ne se mettait pas à poil sur une plage dans le 140, on ne faisait jamais ça. Hein. Quand ça me la peau. Et bien tout le reste, c'est des maladies qui sont liées au changement climatique, ou à l'effondrement du vivant, de nouveaux vecteurs, de nouveaux parasites, de blessés. Et le stress généré par cette intranquillité que j'évoquais tout à l'heure. Une carte thermique de Paris, c'est pareil à Bordeaux. Hein. Les îlots de chaleur sont terribles sur Bordeaux. Ramenons des arbres en ville, en rouge, c'est des rues de béton pur, en bleu des arbres. C'est le jardin des plantes à Paris, 7 degrés d'écart entre le jardin des plantes et la rue d'Ulm. Je voulais embêter mes copains de l'école normale supérieure. Je dis, vous avez la température de la rue d'Ulm où il n'y a pas d'arbres par rapport au jardin des plantes, ben, ça passe ou ça casse. 15 000 morts à Paris, août 2003. 100 000 morts en Russie en juillet 2010. Ici, on n'en a pas parlé, tout le monde s'en foutait, c'était des Russes. Hein. Mais c'est absolument incroyable, ces effets. Et on prévoit à Paris, et à Bordeaux, juillet 2050, 2 à 3 semaines, au-delà de 50 degrés. We have to change. Alors, je vais terminer par simplement les limites de l'humain maintenant. Ça, c'est ce qu'on a gagné sur 120 ans. On me dit, oui, mais le progrès de la science, la technologie, de la médecine, bah, regardez, on a gagné en taille 15 cm sur 120 ans. 30 kilos en poids, y compris l'obésité. 35 ans en durée de vie. On a multiplié par 7 les Français depuis 1860. Les rendements végétaux multipliés par 10. Alors maintenant, vous avez des types à 2,42 m qu'on veut essayer de cloner, ou ces types aux États-Unis où on vous dit, de toute façon, pour arrêter un mec comme ça, il pèse 153 kilos, il court le 100 mètres en 11 secondes. Si vous n'êtes pas bourré de stéroïdes anabolisants, vous ne l'arrêtez pas. Se shooter, bien sûr. On lance l'action du dopage et de l'humain augmenté, bien sûr. Vous allez voir. C'est ça le progrès. On a de plus en plus de centenaires, ça c'est clair. De plus en plus de gens atteignent 100 ans, surtout les femmes. Hein. En rouge, c'est les femmes, en bleu, c'est les garçons. Les 48 derniers records du monde, des femmes. Le record du monde étant à l'instant T, la personne n'a plus âgé sur la Terre. Est décédée en mars 2017, hein, c'est passé, c'était génial, la dernière humaine, une italienne, s'appelait Emma Morano, elle meurt, elle est née au 19e siècle, elle était née en 1899. Mais regardez, on va plutôt aller, en jeune qu'allemand, c'est le record absolu, c'est le record du monde actuel. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a, quand je mets la consommation énergétique, on vit vieux dans les pays où on met beaucoup d'énergie. Ça, c'est extrêmement important. Durée de vie la plus basse au Zimbabwe, 46 ans. Moyenne, 46 ans, c'est la durée de vie d'un clochard à Paris. Je vais conclure. Ça, c'est les travaux qu'on a fait sur les records sportifs. 800 mètres plat, 100 hauteur et lancement du poids. Vous voyez que tout est au taquet partout. Et chez les filles, qu'est-ce que vous faites, les filles? Aucune femme ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986. C'est intéressant, ça, quand même. Hein, l'humain a augmenté. Les gamines étaient shootées à testostérone dans le biberon. Je vais terminer, donc je passe là-dessus rapidement. Bon, la bio-inspiration, c'est chercher dans le vivant des sources d'inspiration pour améliorer notre situation. Il y a plein de choses à faire, c'est une conférence nouvelle. C'est un très très beau domaine. Je vais à Paris demain, puisqu'on ouvre un congrès sur la bio-inspiration à la mairie de Paris demain après-midi, où là on montre que si on s'inspire du vivant, il fait beaucoup mieux que nous. Et je vais conclure là-dessus. Ce que c'est faire une libellule, je passe là-dessus. C'est tous les prix Nobel obtenus grâce à des espèces qui apparemment servaient à rien. Voilà, je vous laisse dire ça. Transformation radicale. Je dis, pour nous, c'est une métamorphose, en fait. Voilà mon ami Edgar Morin qui dit que la Terre, c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs. Économie, profit, science et technologie. Chaque moteur peut être bénéfique pour l'humanité ou délétère. Et il dit, c'est vrai que le problème est assez catastrophique. Mais il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire humaine. Et qu'est-ce qu'on a fait ce matin ensemble ici? On se bat pour que ce probable que nous promet ne se produise pas. Ça, j'y crois. Sinon, j'arrêterai. Il dit, on est Faber, on est pas mal des monstres, on n'est pas encore sapiens. Et ma dernière image, ça va être celle-là. C'est vraiment la dernière. Je vous compare le vivant à notre économie actuelle. Le vivant innove tout le temps, en permanence. Même pour les gilets jaunes. Ce qu'on ne fait pas du tout par ailleurs, nous, hein. Le vivant fait tout avec une très grande économie d'énergie. Le vivant ne fait jamais un produit qui ne s'est pas dégradé. Il peut faire des poisons extrêmement violents, hein. Un venin de crota, une amanite phanoïde, mais il sait le dégrader. Nous, on a inventé 150 000 molécules de synthèse qu'on ne sait pas dégrader. On a tous ici dans la salle plein les cheveux, plein les trous de nez.
Nos bébés, il y avait un article avant-hier, là, sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Jamais le vivant n'aurait inventé ça. Et pour finir, le vivant ne maximise jamais, il optimise en permanence. Et ma conclusion, c'est celle-là. Stopper une économie suicidaire et stupide qui consiste à faire du profit en détruisant ou surexploitant la nature. J'y crois. Merci.